afternoon, Natalie. This is Jason Bourne. Your risky mission, should you choose to accept it, will be to rescue Dr. Moises Ramirez. Many terrorist groups around the world have reasons for wanting him dead. Your mission will not be easy, and prepare to meet death many times. There's no turning back. As always, should you be caught or killed, we will disavow any knowledge of your action. This tape will self-destruct in 5 seconds. Thank you. Scientifique dénommé Dr. Moïse Ramirez a découvert la recette tant recherchée du bonheur et de l'amour, mais malheureusement, le brillant homme a disparu. Il a été enlevé par une organisation secrète qui veut que l'humanité ne connaisse que misère et destruction, le but étant d'éviter que la bonne nouvelle se répande. Heureusement, le Dr. Moïse Ramirez a laissé derrière lui plusieurs indices pour aider à le retrouver avant qu'on ne l'exécute. Jean-Nathalie, votre mission intitulée « Friends » consiste à retrouver ce scientifique. Voici le premier indice. OK. C'est un ambigramme utilisé dans le roman « Ange et démon » de Dan Brown. Qu'il soit lu à l'envers ou à l'endroit, le message est le même. Retrouvez le livre « Ange et démon » dans votre bibliothèque et allez à la page 23. Parce que toi et moi, tel un ambigramme, nous formons qu'un. Nathalie. Wow! Leonardo. Oh! Moïses! Wow! Oh. Ça, c'est hot. Vraiment hot. Le deuxième indice est une boîte contenant un objet qui vous sera remis par l'enquêteur No. OK, merci. Friends. Voici l'objet qui vous aidera tout au long de votre mission. Amenez l'objet avec vous partout. Des questions vous seront posées et vous devrez résoudre des énigmes pour être en mesure de trouver l'emplacement du Dr. Moïse Ramirez. Plusieurs des réponses se trouveront sur l'objet. Chaque bonne réponse vous donnera un indice de l'endroit où vous devrez vous déplacer. À chacun de ces endroits, des agents vous remettront une enveloppe pour pouvoir continuer votre mission. Gardez ces enveloppes car elles vous seront utiles plus tard. Les questions seront posées sous forme de jeu de bonhomme pendu. Vous n'aurez qu'à choisir les bonnes lettres pour passer à l'étape suivante. OK. Question numéro 1. Quel était le nom de Monica lorsqu'elle était gardienne de but au hockey sur gazon? Big Fat Goalie. Ah, c'est Big ça. Fat Goalie. C'est Big Fat Goalie la réponse. Bon, OK. Bonne réponse. Demandez à l'enquêteur No de vous remettre l'enveloppe Monica. Merci. Monica est chef et vous avez droit à un souper pour 2 personnes dans un restaurant 5 étoiles. Indice numéro 1. OK. Le surnom de Monica était Big Fat Goalie. Le Canadien de Montréal a eu l'honneur d'avoir certains des meilleurs gardiens de but de l'histoire du hockey. Le gardien qu'on recherche est membre du temple de la renommée du hockey, devenu avocat, auteur et député du Parti libéral du Canada. Comment se nomme ce gardien? Ken Dryden? Ken Dryden. OK. Bon. Agent Nathalie, rendez-vous à la statue de Ken Dryden. Situé à l'intérieur de la place Montréal Trosse. C'est à cet endroit que nous allions nous entraîner au Nautilus Plus. Un agent vous remettra l'enveloppe question numéro 2 contenant un indice sur le prochain endroit où vous devrez vous rendre. OK, question 2. OK. What are they feeding you? Sont les paroles de quelle chanson? Ah ben c'est Smelly Cat, c'est facile. Ma
Voilà, bonne réponse, je savais ça. La chanson Smelka est interprétée par Phoebe Buffay, personnage ayant vécu une enfance traumatisante et anormale. Demandez à l'agent de vous remettre l'enveloppe Phoebe. Phoebe est une masseuse, vous avez droit à une heure de massage. Phoebe porte le même prénom qu'une naissance montréalaise, Phoebe Greenberg. Cette femme est la fondatrice et directrice artistique de la fondation DHCA et aussi d'un autre espace de diffusion des arts qui se définit comme un laboratoire de recherche culturelle. Comment se nomme cet espace des arts? C'est à cet endroit situé dans le vieux Montréal que nous avons vu le chef-d'œuvre cinématographique Les A. quel Ah oui. Attends, ça s'appelait comment? Ah oui, attends. Le centre Pi. Oui. Pi, ça dit pas Pi. Ouais. Bravo à Jean-Nathalie, rendez-vous au centre Pi. Oui. La page est aussi la question numéro 3. OK. Rachel Bonjour. A écrit une lettre de 18 pages parce qu'elle veut que Ross lise avant de revenir en couple. Mais Ross n'a pu lire la lettre car il s'est endormi. Que dit Rachel lorsqu'elle se rend compte que Ross n'a pas lu la lettre au complet? Oh, you fell asleep. C'est ça, c'est you fell asleep. Demandez à l'agent de vous remettre l'enveloppe Rachel. Puis... pour connaître votre prochain indice. Vous avez droit à une carte cadeau pour aller magasiner et à être à la mode. Lors d'un épisode, les 6 amis veulent remporter le gros lot, promis lors d'une loterie exceptionnelle. Parlant de loterie, sur quelle rue se trouve l'Auto-Québec? Ben là, Sherbrooke, bonne réponse! Tantôt, je suis comme les mains pleines de pouces, là. OK. Chaque semaine, le guide TV arrive à l'appartement de Chandler et Joey. Quel nom apparaît sur l'étiquette? Ah, Miss Chandler Bond? Non? C'est-tu ça? Attends, je vais essayer. Miss M. Ah, ben oui, c'est ça. Ben. Demandez à l'agent de vous remettre l'enveloppe Chandler. Pour la petite commune en vous, vous avez droit à 2 billets pour la première d'un spectacle d'humour le 7 février 2018 wow. Au Théâtre Maisonneuve. OK. Lors d'un épisode, Chandler fait un mixtape à Monica, mais on y entend la voix de Janice. Ah oui. Agent Nathalie, la musique représente une partie importante de la vie du docteur Moïse Ramirez. D'ailleurs, il a déjà eu une émission de musique latine tous les samedis de 5 à 7. Comment se nomme cette émission? Oh non! As-tu un indice? Non, ça n'a pas de bon sens. Attends. Ouais, non. Déjà? Dimension latine. Oh. Ah! Oh, merci! Écoute! Agent Nathalie, rendez-vous à CIBL au 2 rue Sainte-Catherine. Raconte à Ross l'histoire d'Europe, une histoire inventée qui a le pouvoir, oui, de faire en sorte que la personne qui l'entend a le goût de faire l'amour avec la personne qui la raconte. Quel faux nom utilise Joey lorsqu'il raconte l'histoire? Canada. Demandez à l'agent de vous remettre l'enveloppe Joey. Vous avez droit à un certificat cadeau pour un film pour 2 personnes, 2 coques et un coton. Joey partage les origines italiennes ainsi que le prénom d'un homme d'affaires montréalais. Cet homme d'affaires québécois est l'actuel propriétaire de l'équipe de soccer de l'Impact de Montréal. Quel est le nom de famille du président de l'Impact?
Ah, c'est du Saputo? Bravo! Agent Nathalie, rendez-vous au stade Saputo. Docteur Moïse Ramirez, on vous a remis 5 enveloppes durant votre mission. Replacez-les dans l'ordre 1, 18, 9, 21, 13. 1, 18, 9, 21. Ah, 1! C'est A! Ben oui! A! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Fait que le R. OK. A, R. Puis 9. OK. A, B, C, D, E, F, G, H, I. 21. Bon, ben c'est la plus éloignée. Puis 13, c'est celle-là. Bon. Arium. Bravo. Agent Nathalie, il reste un dernier personnage, Ross Geller. Demandez aux agents se trouvant au stade Septo de vous remettre l'enveloppe en droit final. C'est un autre ambigramme et OK, vous indiquez voilà. L'emplacement final. Okay. Bon, dépêchez-vous à le rejoindre. Arium, latrium, arénium. Planète. Planète. Ah, avec les lettres. P L A N. Ben c'est planète. Planète. Planète à. Arium. Planétarium. Ah, planétarium! Nathalie, comme tu le sais, tu as répondu à beaucoup de questions qui étaient en lien avec chacun des personnages. Il reste un personnage et c'est Ross. Mm-hmm. Donc, j'ai une question par rapport à lui. Okay. Comme tu le sais, il était marié à une femme qui s'est avérée être une lesbienne. Ouais. Donc, je te demande, sur la côte ouest américaine, quelle est la ville qui a souvent été considérée comme la capitale LGBT au monde? Ross étant marié à une lesbienne, c'est à mon tour de faire mon coming out. Ben non, pour la Globe Trotter en vous, on part à San Francisco du 24 mai hein, au 3 juin. Oui, oui, dans 3 jours, les billets sont habillés. Oui, on a l'approbation de tes boss. Pour vrai? C'est mignon. Donc, on part du jour, les billets sont là. Tout est correct à ton travail. C'est bon? Ah, oui. On part dans 3 jours. OK. Ah. Ma chère Nathalie, les mots malheureusement ne peuvent dire les sentiments que j'éprouve pour toi. Tu sais que dès le premier jour que je t'ai vu, dans ma tête, j'ai juste dit « wow ». Puis au fur et à mesure, ben, je me suis dit « c'est elle que je veux ».
depuis le premier jour, ça a été un nouveau départ pour moi. Tu m'as appris tellement de choses. Tu possèdes toutes les qualités qu'un homme désire. Puis avec toutes tes petites attentions, tu me rends un homme comblé, fier et fortuné d'être à tes côtés. Donc je veux qu'on chemine un peu dans le chemin de la vie, évidemment, ensemble, main dans la main. Et jusqu'à date, on a passé des moments mémorables ensemble et je voudrais qu'on se rappelle un peu de ces moments-là. Donc je vais attendre qu'une vidéo se projette, qu'on puisse voir. Veux-tu me rendre l'homme le plus heureux sur la terre? Veux-tu m'épouser? Oui.